Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans cet épisode 45 de Au Coin du DVD. Épisode 45 donc toujours sous le signe de la lettre W. Comme j'ai dit la semaine dernière dans la lettre W, j'ai pas beaucoup de films, mais j'ai des films très variés. Euh, je pourrais vous citer Wolf Creek dont j'ai surtout le deuxième volet que j'ai récupéré dans une édition de ma novice que je trouve très cool et dont j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer euh, le sujet sur la chaîne. Je pourrais vous parler également de Why Don't You, die in air, why don't you Play in Hell, que je dise pas de bêtises, de Son Ocean, qui est un film complètement jouissif, mais pareil, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Et je suis tombé sur un autre film. Un film très atypique dont j'avais vraiment envie de vous parler parce que c'est un film qui a un acteur en tête d'affiche qui est plus que culte. Un sujet qui est complètement pété mais que je trouve très fun et produit par un mec qui aujourd'hui est l'ennemi public numéro 1 de Hollywood suite à une adaptation complètement foirée d'un certain manga et animé japonais avec des boules de dragon qui, disons-le aujourd'hui, hantent en encore les sphères d'internet et qui avait donc produit à cette époque-là un petit bijou, j'ai envie de dire, d'épouvante et d'horreur qui se nomme Willard. Mais ce n'est pas lui qui l'a réalisé, ce n'est pas James Wong, c'est un certain Glenn Morgan. Euh, le film a une histoire qui est très bête mais qui fonctionne plutôt bien dans son genre, c'est celle de Willard, qui est très solitaire, qui a un boulot de merde, mais qui a un don, il est capable de parler aux rongeurs. Et vous vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, vu la gueule qu'a l'acteur, il va pas leur apprendre à faire des petits tours et à lui apporter la télécommande le soir et à lui ouvrir une bière alors qu'il est en train de regarder quotidien. Clairement pas. Willard fait partie de ces films que j'ai découvert parce que justement, à une époque, je me suis vraiment intéressé à la carrière de James Wong. Parce que James Wong a une carrière très atypique. On sait tous comment elle s'est terminée, c'est-à-dire avec Dragon Ball Evolution. Et depuis, bah, James Wong, je pense qu'il est parti, euh, j'en sais rien, élever des chèvres en Patagonie et que on n'entendra plus jamais parler de lui. Y compris le scénariste et les acteurs, enfin, n'en parlons même pas. Mais... Donc James Wong il avait commencé quand même à avoir un joli aura autour de lui depuis qu'il avait fait l'épisode 1 et l'épisode 3 de Destination Finale qui avait réussi à lui obtenir une vraie reconnaissance auprès de la critique et des spectateurs et il s'était dit qu'en tant producteur ça serait bien de proposer des œuvres un petit peu atypiques. Et c'est ainsi qu'il a proposé donc à Glenn Morgan de produire son long métrage Willard. Et Willard est un film très glauque, assez malsain, assez perché également mais c'est génial à regarder. C'est génial à regarder parce que, honnêtement, Glenn Morgan a très bien réussi à emmener le sujet. Il n'emmène pas toujours de manière subtile, mais honnêtement, avec une idée de base comme ça, on pourrait être dans le nanar. Mais heureusement, on ne tombe jamais dans le nanar. On est toujours dans un espèce de film de genre extrêmement euh, immersif et surtout crade qui fait très glauque mais en même temps qu'un petit côté un peu décalé c'est très bizarre mais c'est vraiment pour moi ce qui fait le style à la James Wong en tant que producteur c'est qu'il a toujours aimé produire des films d'épouvante et d'horreur lorsqu'il était encore en activité qui sortaient un petit peu des zones de confort et Willard fait particulièrement euh, figure de proue de cette vague là c'est-à-dire qu'on est à, qu à mi-chemin entre l'épouvante-horreur, mais il y a des teintes de comédie, des teintes de cynisme et de satire qui rappellent vraiment le style à la destination finale. Et c'est ce qui a fait toute la sève de la série au fur et à mesure qu'elle avançait. Même si elle est allée par moments vers des sommets de débilité, euh, l'épisode 4 étant absolument magnifique dans le genre. Mais en tout cas, on est dans cette idée-là. Cette idée de se moquer finalement de ce qui devrait être glauque, de ce qui devrait être macabre, de ce qui devrait être malsain. Et d'en faire quelque chose qui soit assez amusant. Et c'est ce qui se passe dans Willard. On est sur un film où, sur le papier, on se rapproche du nanar, mais le traitement incite à aller vers l'horreur, et Glenn Morgan rajoute cette touche un petit peu glauque et malsaine qui rend le film assez jubilatoire. Et franchement, la première fois que j'ai vu le film, euh, c'était avec des potes. Et au début, autant on était vraiment dans l'ambiance, et rapidement on s'est laissé porter par le film, et en même temps on n'était pas bien, et en même temps on s'amusait devant le long métrage. Et on ne pouvait pas s'empêcher de se dire que quand même, le film était hyper fun, et était très généreux avec le spectateur, amenant des petites séquences à gauche et à droite, qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, et qui restaient quand même des petites propositions de cinéma d'épouvante qui fonctionnaient. Et c'est ça, en fait, qu'on a retenu à la fin. C'est que Willard, ok, il n'est pas très subtil dans sa forme, il n'est pas très élégant, mais il est fun, et il est surtout... Dans la générosité. Vas-y, prends spectateur, mon côté un petit peu décalé, mais en même temps assez glauque, et prends-le et fais-en ce que tu veux. Et en plus de ça, le film s'est doté de crispin Glover. Et crispin Glover, bah c'est George McFly. Dans la tête des gens, c'est George McFly. Et hormis le grand Robert Zemeckis qui a su l'exploiter à plein potentiel, notamment dans Beowulf, où je le trouve extraordinaire, par le biais de l'interprétation d'un personnage qui pourrait être très caricatural, mais qui maîtrise vraiment bien. Crispin Glover a toujours été considéré comme George Mcfly et tout du long de sa carrière ça l'a poursuivi. Et bien pour moi, quand j'ai découvert Willard, et ben George Mcfly est devenu Willard. Et vraiment je trouvais que Crispin Glover sortait complètement de sa zone de confort pour nous proposer un personnage extraordinaire qui s'est totalement accaparé. Et vraiment le film, si aujourd'hui je vous le recommande, et si je l'apprécie, c'est parce que Crispin Glover, est un acteur que je trouve vraiment exceptionnel dedans. Il est à mi-chemin entre la caricature, mais jamais trop poussé à l'extrême. Il est toujours dans cette espèce de finesse d'esprit qui consiste à en faire des caisses avec son perso, mais jamais à abuser de ce qu'il pourrait lui offrir au, au spectateur et de, des travers dans lesquels il pourrait tomber. Et c'est ça, en fait, qui rend son interprétation juste exceptionnelle. C'est-à-dire que les séquences avec les souris et les rats, bah, elle est à mourir de rire. Et pourtant, il arrive à être crédible et glauque et on y croit. Enfin, c'est vraiment jubilatoire à regarder. Et on se dit que dans ces moments-là, c'est là que Chris Ping Glover démontre tout son talent et démontre qu'il est bien plus qu'un acteur qui s'est malheureusement, malgré lui, enfermé dans cette image de George McFly que lui a collé Robert Zemeckis. Et heureusement que Robert Zemeckis et des gens comme Glenn Morgan ont été capables de lui donner des opportunités pour sortir un petit peu de ça. Euh, en ce qui concerne les bonus, honnêtement, euh, pareil que comme beaucoup d'éditions, j'ai rien à me mettre sous la dent là-dessus. Il y a vaguement les bandes-annonces, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Et. Par contre sur internet, si vous allez voir, il y a des très jolies interviews de James Wong, de Glenn Morgan et de Crispin Glover qui racontent un petit peu comment ils ont fait le film. Et franchement, c'est assez passionnant à regarder. Et tous, ils en parlent avec vraiment une grande passion et un grand respect en fait. Parce qu'on pourrait se dire qu'avec un film comme ça, on pourrait aller dans le décalage et, et pas prendre grand-chose au sérieux. Mais ils prennent vraiment tout au sérieux et je trouve que là-dessus, c'est hyper respectable à regarder et surtout, c'est hyper enrichissant à voir. Mais ouais, moi je vous conseille fortement de regarder Willard de Glenn Morgan parce que c'est un film d'épouvante qui est surprenant. C'est un film qui va dans la satire et dans le cynisme avec beaucoup de justesse. Et au-delà de ça, c'est un film que je trouve vraiment tripant et fun à mater. Et entre potes, c'est un vrai plaisir. Donc, ouais, allez-y, vous ne le regretterez pas. Ainsi s'achève cet épisode 45 de Au coin du DVD. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu. Et si vous avez déjà vu Willard ou que vous comptez le voir, mettez dans les commentaires. Bien sûr que je me ferai un plaisir de lire vos avis et de savoir si vous estimez que Chris Glover avait réussi avec ce film à se sortir de la peau de George McFly. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.